le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche, début de soirée, 8h15 à peu près, pour le compte-rendu du vide-grenier que j'ai fait ce matin. Donc il n'y aura pas d'achat hors vide-grenier, parce que j'ai pas de budget ce mois-ci. Donc je vais juste vous montrer voilà, ce que j'ai pu trouver pour moins de 10€, 8 ou 9€ de mémoire, voilà, ce matin. Pas grand-chose, hein. Voilà. Mais bon, des trucs sympathiques, voilà, vraiment rien d'extraordinaire, mais voilà, c'était sympa. Donc, ce matin, j'ai pas si vous avez vu sur Facebook vite fait, je me suis pas couché. J'ai fait une soirée hier soir, donc je suis rentré, je suis resté devant la télé et le PC jusqu'à le moment de partir, hein, vide grenier tout simplement. Donc, je suis arrivé là-bas 6h moins le quart, pour le début à 6h, donc pas beaucoup d'exposants. Il faisait pas très beau, il pleuvait un petit peu. Donc, je vais vous montrer pour ce que j'ai trouvé ce matin. Donc, premier stand, enfin un des premiers stands, des petits jeunes qui revendaient les doubles. Il y avait des trucs intéressants, mais soit c'était en mauvais état, soit c'était trop cher pour du vide-grenier. Donc j'aurais juste pris un seul jeu. C'est dommage, j'avais un Crash Bandicoot 2 qui m'aurait bien plu, mais c'est une version Platinum sans Otis et c'est dérayé. Donc j'ai juste pris celui-là. Donc Toshinden 4, qui est un jeu de baston en 3D dans un monde en 2D. Hein. Je connais le nom, donc c'est pour ça que bon, c'est le seul roman qui m'intéressait. Malheureusement, hop, il est sans notice. Voilà. Et vous me direz en commentaire, je pense, voilà, qu'il doit y avoir une version Black Label. Voilà. C'est dommage que ce soit une version Play It. Je ne sais pas s'il existe une version Black Label. Je crois qu'il y a des jeux qui sont sortis que dans cette version-là, à la place du Black Label. Dites-le moi en commentaire, je ne sais plus. Je ne sais pas même. Donc voilà, on découvrira. Ça n'a pas l'air extraordinaire, mais bon, on verra. Je suis vraiment pas fan des vieux jeux 3D, hein. Jeux de baston en 3D. Les premiers, je parle hein, surtout sur ce PlayStation. Après, ça s'est quand même amélioré au fur et à mesure du temps. Pardon, excusez-moi. Ensuite, un petit jeu PS3, moins cher qu'un jeu PS1. Civilisation et Révolution, donc un Sid Meier. Je voulais découvrir un petit peu la licence. Je suis un grand fan de SimCity. Surtout le 2000, entre autres. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Hop. Il est bien complet. 1€. Voilà. Donc voilà. Il y avait pas mal d'autres jeux, mais bon. J'avais déjà. Donc j'ai pas pris. Et puis c'est un collègue qui était avec moi, qui a fait le vidéo avec moi, qui les a pris. Voilà. Entre autres du GTA 4 ou des trucs comme ça. Voilà. Des jeux quand même. Voilà. C'est connu. Ensuite, un petit jeu PS2, donc je sais pas si je l'ai, j'ai pas vérifié, encore j'ai pas eu trop le temps. Donc il est affiché à 5€, magnifique boîte jaune, les Simpsons, donc voilà, je sais pas si je l'ai, j'ai un gros doute. Il est complet, pas de soucis, en bon état, y a pas de problème. Donc si je l'ai, peut-être à gagner dans un prochain concours, on sait jamais, hein, ça risque peut-être d'arriver bientôt, j'en dis pas plus. Voilà, pour 2€ de mémoire, hein, je crois que c'était ça. Et voilà pour les jeux vidéo, c'est tout. Il n'y avait vraiment pas grand chose de très intéressant. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il y avait, voilà, tout simplement. Alors, il me reste 5 DVD à vous montrer. Donc, d'une série qui était sortie, je crois, en presse papeterie de mémoire, dans les années 80, fin des années 90, 2000, peut-être pas 90, 2000, ça devait être début des années 2000. Il s'agit de la série Mangamania DVD qui regroupe voilà, pas mal de grosses licences d'animés, hein, voilà, du Gun, du Akira, etc. Moi j'en ai pris 4 de cette série et un autre que vous allez voir à la fin. Donc malheureusement je l'ai, donc peut-être aussi à gagner dans un prochain concours. Voilà. Il s'agit du Evangelion. Donc comme je l'ai dit, je l'ai déjà. Donc, je me souviens plus. Donc très connu, excellent. Vraiment, je vous le conseille si vous aimez les mechas. C'est vraiment top. J'aime beaucoup les personnages aussi. Alors, ça fait très longtemps. Hein. Mais la rousse, c'est. Surtout la rousse, c'est le personnage principal. Donc j'ai oublié les noms. Vraiment. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Ensuite, un qu'on m'a conseillé, le collègue qui était avec moi me l'a conseillé, en disant que c'était un très bon jeu. Très bon film d'animation avec du sable. Des sabres et tout ça, hein. Donc il s'agit du Ninja Scroll, donc il me l'a conseillé, je l'ai pris, vous allez voir pour le prix, de toute façon c'était pas très cher, j'ai un
peut-être pu prendre plus, même ceux que j'avais déjà pour les faire gagner, pourquoi pas. J'ai pas pensé. C'était très tôt ce matin, donc j'y ai pas pensé. Ensuite, un Street Fighter 2, le film. Donc j'ai entendu parler. On verra, je l'ai pas vu, donc ça sera la découverte, pareil. Je sais pas ce qu'il donne, vraiment. Dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup d'être regardé ou pas. Le prochain. Alors celui-là par contre, je savais que le Street Fighter 2, le film, existait en animé. Par contre celui-là, je ne savais pas du tout. Le Street Fighter Alpha. Voilà. Donc pareil, ce sera la découverte. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou pas, si vous me le conseillez. J'adore la jaquette, enfin le devant. Je trouve l'artwork plutôt sympathique. Vraiment. Donc j'espère que ce sera bien, on verra. Et le dernier, très connu, mais je me suis jamais vraiment attardé dessus, voilà, c'est j'avais un pote à l'époque qui était grand fan. Il s'agit tout simplement de Cowboy Bebop, le film. Donc voilà, il y a pas mal d'heures dessus, hein, de mémoire, 2 heures. Ouais, il dure quand même 2 heures. Donc voilà, ce sera pareil, découverte. Je crois pas l'avoir vu, hein. Peut-être il y a très longtemps, mais voilà. Voilà, donc celui-là aussi est complet. Celui-là, je vous montre parce qu'il y a une petite notice avec des petits artworks à l'intérieur. Tout sympathique aussi. Donc voilà. Donc c'était tout. Voilà, vraiment rien d'autre. J'ai vraiment pas trouvé grand chose ce matin, donc voilà. Et je finis par vous montrer ce que j'ai acheté en presse-papeterie. Donc le jeuxvideomagazine.com. Je me souviens, c'est ouf, hein, j'ai vraiment du mal à me souvenir du nom en entier. J'ai peur de me planter, donc j'oublie. Donc pourquoi je l'ai pris? C'est tout simplement parce que c'est le deuxième mois qui font le bonus avec le petit artbook, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je l'avais pris le mois dernier et je l'ai repris ce mois-ci. Enfin, j'ai pris le deuxième ce mois-ci. Donc voilà l'artbook, donc plutôt sympathique aussi, comme le premier, hein. Vraiment sympathique avec du God of War, du Bioshock. Regardez-moi ce magnifique artwork, pardon, de God of War. C'est pas énorme, vraiment classe. Donc voilà, c'est vraiment un bel artbook. Je vais y arriver, pardon. Voilà, du Metal Gear, du Rage, du La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, qui est plutôt sympa aussi en double comme ça. Hop. Tout sympathique aussi. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer un petit peu les plus grands. Et ceux que j'aime beaucoup. Genre celui-là que je trouve vraiment, vraiment excellent. Hop. L'Ultimate Ghosts and Goblins. Par contre, il craque un petit peu. J'espère qu'il va pas me péter entre les mains. Du Vagrant Story. Celui-là aussi en double. Double page comme ça. C'est Witcher 3. Ouais, voilà, c'est vraiment des. Bon, il n'y a pas d'écriture. On va pas juste représenter le jeu et puis le développeur, etc. Mais voilà, c'est vraiment que des artworks. Et des superbes artworks, quoi. Vraiment. Est-ce qu'il y a une autre double page ou pas? Hop. Shade of Light. Aussi. Voilà. Donc voilà. Donc pour 2 € l'artbook. Alors c'est vrai que ça fait 5,95 € la revue. Pour pas grand chose de très intéressant dedans. Mais bon. Voilà. Je l'ai pris quand même. Je pense que je les prendrai quand ils feront chaque mois. S'il y a un artbook, je le prendrai, je pense. S'il n'y a pas d'artbook, je le prendrai pas, j'achèterai pas. Et je me suis pris, alors j'ai critiqué JV lors de ma dernière vidéo, si j'ai bonne mémoire. Je l'ai relu, et au final, ouais, bon, je sais pas trop. Au final, je sais pas trop quoi en penser de JV. J'ai un avis un peu mitigé dessus, vraiment. Mais par contre, là, ils faisaient un hors-série, comme tous les étés. L'année dernière, ils avaient fait un hors-série aussi sur Nintendo et Sega de mémoire, l'affrontement. Donc là, j'ai pris parce que, bon, forcément, c'est une console que j'ai beaucoup joué étant plus jeune. Il s'agit tout simplement de hors-série sur la PlayStation. Donc voilà, c'est vraiment, je crois, j'ai pas encore lu en entier, hein. Voilà, vraiment. Mais je crois qu'il parle vraiment que des jeux sortis sur PlayStation. Je crois, hein, j'ai cru comprendre. Donc voilà, beaucoup de pages, c'est-à-dire 130 pages, que sur des jeux sortis sur la PlayStation. Donc bien sûr, au début, il parle de la création de Sony, enfin de la PlayStation 1, bien sûr.
voilà, le design, les manettes, les logos. Magnifique, les logos PlayStation. L'évolution du logo PlayStation. Vraiment sympathique. Des articles. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Donc voilà, avec les différentes coloris et éditions de la PlayStation. Donc, bon, après de la pub aussi, forcément un petit peu. Le marketing, voilà aussi. Marketing des jeux et de la console. La pub aussi. Ils reviennent sur la pub. Regardez. Ça, j'ai bon souvenir de cette pub là. Hop. Avec la petite fille qui a une tête un peu d'extraterrestre. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant. J'aime beaucoup les hors-séries parce qu'ils parlent vraiment du thème dont ils veulent aborder. Donc voilà, c'est vraiment ouais, c'est vraiment top. Je ne l'ai pas encore lu en entier, hein, j'ai commencé à lire seulement quelques pages. Mais ouais, c'est vraiment top. Vraiment top. Donc je vous le conseille, ça coûte 6,95€, donc c'est à vous de voir. Ça peut être cher pour certains et d'autres non. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Et puis moi je vais arrêter la vidéo là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu de mal à parler. Fatigue sans doute, j'ai pas fait de sieste, rien du tout. Hein. Donc un peu de mal à parler. Donc sur ce, ben, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde, bye.